Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Yo. Aujourd'hui, on va tenter un défi vraiment spécial. On va manger que si la commande est 100% correcte. J'ai une liste bien spéciale. On va aller au McDo. Je suis vraiment désolé, c'est peut-être le ramadan aujourd'hui. Si McDo oublie un seul article, on n'a pas le droit de manger. C'est parti. On arrive au McDo. Il y a déjà grave du monde. Pourquoi choisir le McDo? Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau sandwich. Le Mac Quesadilla. On va voir ce que ça donne. D'abord, on va aller au drive, regarde toute la queue qu'il y a. McDo, il doit faire trop de sous. Hein. C'est abusé. Bonjour. Alors, on va prendre un Mac Quesadilla potatoes avec de l'eau. Potatoes au plat, hein? Oui, au plat. Avec ceci? Un menu double filet au fish potatoes coca zéro. Avec ceci? Un sandwich Mac Muffin egg cheese. D'accord. Un sandwich croque McDo sans jambon. Un croque McDo sans jambon. Ouais. Avec ceci? Un Quesadilla Skull sandwich, s'il vous plaît. D'accord. Un brownie chocolat noisette. J'aurais pas de brownie pour aujourd'hui, j'aurais cookie ou donuts confetti, monsieur. Donuts confetti. Une sauce curry. J'aurais pas de sauce curry pour aujourd'hui. Vous avez la sauce Big Mac? Alors, en fait, la sauce curry, on les fait plus pour l'instant à cause des sauces Big Mac, etc. Mais sauf que, il y a un souci, c'est que j'aurais pas de sauce Big Mac sans rupture. Ok, et un chocolat chaud. Et pardon, j'ai pas entendu. Un chocolat chaud. Chocolat chaud. Avec ceci, monsieur? Ce sera tout, merci. Très bien, vous réglez comment, monsieur? En carte bleue. Très bien, ça fait 33,65€ à la prochaine caisse. Ok, merci. Ça, il a bégayé, à mon avis, ça va être le ramadan aujourd'hui, je pense. On est venu à l'heure où il y a grave du monde. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça va être le ramadan. Regardez, ils sont comme des oufs. Le mec, il est là-bas en train de placer tout le monde. Que ils oublient des trucs depuis tout à l'heure. Il m'a dit, mets le ticket sur ton tableau de bord. Je pense que ça va être le ramadan. J'espère que ça va pas être le ramadan aujourd'hui. On a attendu 10 minutes, il y avait grave du monde. La dernière fois, je vais un mercredi au McDo. La liste est là. On va regarder déjà, il y a qu'un sac, ça me paraît bizarre. On va voir ce qu'il y a dans le premier sac. Alors ici, on a une potatoes. C'est validé. Tiens. Il y en a normalement, il y en a une pour moi. Une potatoes. Par contre, on en parle de la taille des potatoes. Ils se foutent de moi, là. C'est tout petit. Je suis un bébé, moi. C'est pas grave. Ensuite, on a quoi ici? On a, premièrement, ça, c'est validé. Le burger Mac Muffin Egg and Cheese. C'est bon. On a le double filet au fish. Ici, ouais, il est bien double. J'ai vraiment peur là. Ici, on a le croque McDo. S'ils ont mis du jambon, c'est mort, on peut pas le manger. Vu qu'ils étaient pressés, j'ai peur. Normalement, il n'y a pas de jambon, il est tout petit. Ouais, je pense que. Ouais, il n'y a pas de jambon, il n'y a que du fromage. Par contre, les sandwichs, ils sont vraiment petits. C'est pour les enfants, McDo, c'est pour ça que j'y vais plus. On a une quesadillas, deux quesadillas. On va peut-être manger. Ici, on a le coca zéro. Tiens. Le donuts. Impeccable. Oh, regardez, ils ont fait des bons. J'ai demandé qu'une seule sauce creamy de luxe. Ils m'en ont mis trois. Ils ont mis des sauces. Ils ont mis ici le coca ou l'eau, je sais pas. Il manque un dernier truc. Le yaourt et le chocolat chaud. La commande est validée à 100%. On va pouvoir manger McDo. Franchement, il y a eu plein de monde. Vous avez suggéré, il y avait des gens qui vérifiaient leur sac. Nous, on n'a pas vérifié. Alors, quand vous allez au McDo, il faut toujours vérifier son sac. Mais là, du coup, il y a tout. Il y a même la sauce du chocolat chaud, la cuillère. On va pouvoir se régaler et pouvoir tester enfin le nouveau sandwich quesadillas. On va le faire à la fin, par contre. Bon appétit. Hein. Merci. On a tout mis en place. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, en premier? Double filet au fish. Oh là 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 là. On va tout séparer en deux. Parce que moi, je vous dis la vérité, j'aurais faim. On va le séparer ça en deux. Hop, tiens. Merci. Bismillah. Double filet, moi, ça fait ultra longtemps que j'ai pas mangé au McDo. Moi aussi, je trempe dans la sauce creamy de luxe. Bismillah. Mmh. Ah, c'est vraiment incroyable le filet. Waouh. Ça me rappelle quand j'allais au foot tous les jeudis avant, j'allais au McDo le soir. Et je prenais ça. Et je prenais aussi les McFirst poissons, mais je crois qu'ils ont arrêté. J'ai grave la haine. Faudrait qu'on fasse une vidéo, on va au Quick, on prend les sandwichs du Quick et les sandwichs du McDo et on fait un versus. Elle s'en fout quand même. Je mets un petit 9 sur 10. Ensuite, toujours prendre des potatoes. Ça va plus vous caler. Trempe dans la sauce. C'est super bon. On va mettre un peu de ketchup aussi.
ketchup, sauce crémie de luxe. T'en es toujours au filet? Wesh, elle, c'est trop, ouais. Je savoure. Moi, tu savoures, mais moi, je suis désolé, je savoure pas. Ça, c'est Ramdan qui m'a fait découvrir ça. Il m'a dit, je prends un croque McDo sans jambon. Moi, je prends toujours le plus gros bout. On va tester nature. Ça me fait penser. Ramdan, c'est un ouf, on a été en vacances et mangeait que du fromage. Lui, le fromage, c'est trop, il aime trop. Ça va, c'est bon, mais c'est pas incroyable. On va tester maintenant avec des frites comme ça. Ça marche sur tout. D'ailleurs, en parlant des sauces, j'ai même pas eu le temps de tester la sauce Big Mac. J'ai même pas eu le temps, à chaque fois, il y en a plus. Vous avez qu'à en reconstruire, refaites-en, je sais pas. Tu vas tester ça ou pas? T'as le droit de dire non. Yes! Ça? Ok, ça c'est le matin McMuffin. McMuffin avec des œufs et du fromage. Il est tout petit. On va voir si c'est bon. Putain, j'ai fait des de la même taille, je voulais faire un plus grand, un plus petit. On trempe dans le ketchup. C'est bien. Ça me fait trop penser au pain arabe, c'est incroyable. C'est bon, mais sans plus. Sans plus? Faut toujours rajouter la potato, comme ça. T'as le droit de pas aimer. Hein, moi, quand je dis c'est bon, c'est que moi. Si toi, t'aimes pas, t'as le droit. Oh, merci. T'es gentil aujourd'hui. Moi, je fais que mes mélanges. La nouveauté, je l'avais prédit. McDo fait enfin des tacos. On l'a un peu disséqué. Là, regardez ce qu'il y a dedans. Parce qu'on a fait un TikTok en même temps. Il y a des fruits, il y a des légumes, du fromage. Et poivron. Poivron. Du coup, je le sépare en deux. Tiens. T'aimes pas? Elle fait gorille, voilà. Tant mieux, alhamdoulilah, là, j'ai grave de la bouffe. Alors, on va goûter pour vous. Tu sais pourquoi elle aime pas? Parce qu'il y a des poivrons. Alors que les poivrons, c'est ultra bon. Avec le fromage, il n'y a pas de sauce fromagère comme au tacos. Il est super léger. Et comme je vous ai dit, pour les halluf comme moi, là, vous mettez une potato dedans. On peut passer au dessert. Déjà? Ça, t'as rien mangé. C'est trop, et mange rien. Ce matin, t'as rien mangé aussi. Là, tu manges rien. Tant pis pour toi. On va lui mettre son petit chocolat chaud, parce que Asie, après, elle va pas manger. Je te laisse goûter en premier. Mais pas beaucoup. De toute façon, c'est pas tu me laisses, c'est je vais goûter en premier. C'est moi qui a payé, c'est moi qui décide. Et tu goûtes pas beaucoup, moi aussi je veux. Il est où le truc pour touiller? On va touiller. Je suis dégoûté, il n'y avait plus de brownie. Pourquoi vous avez pas acheté des sauces Big Mac et tout? Il n'y en a plus. Je lui dis, monsieur, je pourrais avoir une sauce Big Mac, il me dit, il n'y en a plus. Pour avoir une sauce curry, il n'y en a plus. De luxe. Il nous a donné des crémies de luxe. Non, il y avait des sauces Big Tasty et tout, normalement. Il avait tout plus. Un donut. Après, quand t'en as qui achètent ce. Ouais, ils ont tout raflé. Moi, je trempe toujours dedans. Toi, trempe pas si tu veux. Moi, je suis fou. C'est bien. Oh, c'est vraiment incroyable. De toute façon, tout ce qui est sucré, c'est incroyable dans la vie. C'est spécial, gâteau anniversaire. McDo, c'est validé à 100%. Ils ont rien oublié alors qu'il y avait grave du monde. Le mec, il était en stress. C'était la folie. J'avais pas confiance, je dis la vérité, mais voilà, c'est validé. La prochaine fois, je pense qu'on fera avec un autre resto. Dites-nous en commentaire quel votre resto on fait. Et s'il n'y aurait pas eu la commande 100% valide, on l'aurait donné à quelqu'un d'autre. En tout cas, nous, on n'aurait pas mangé. Nous, on va vous laisser là. Et du coup, tu prédis quoi pour la prochaine sortie? McDo, ils vont bientôt faire de la viande halal. Vous allez voir, dans quelques années, McDo, ça sera halal. Voilà, mais il faut vous laisser là. Allez, ciao.